bien, salut les amis, c'est MrKiller42. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Écoutez, et aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose, c'est d'attacher vos ceintures, de vous asseoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va aller voir un mec qui est, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et dans la miniature, hein, qui a fait énormément de défense. Donc, il y a quelques temps de cela, il y avait Kawabunga qui nous avait proposé une vidéo similaire avec un mec qui avait fait, je crois, 450 défenses gagnées en une saison, donc dans les environs, avec 450 défenses gagnées. Et il s'avère que moi, j'ai trouvé quelqu'un un peu au-dessus, on va dire, de même carrément au-dessus, on va pas se mentir, qui a fait un nombre de défenses juste spectaculaire. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part que voilà, il a fait plus de, à l'heure actuelle, voilà, donc on est dimanche, il est 19h30, du coup il a fait la fin de la saison, se finit dans quelques temps, voilà, dans quelques heures, et il est actuellement à 1824 défenses gagnées. Donc vous allez vous dire comment est-ce qu'il fait, et là pour ceux qui s'y connaissent un minimum, ils vont remarquer la bronze. La ligue de bronze, la ligue bronze, qui va tout de suite vous faire réfléchir et comprendre le comment du pourquoi. En fait, c'est tout simple, c'est notre ami Nassambar, si je le prononce bien, si c'est pas le cas, on s'en fout, qui est en train en fait justement d'essayer de finir sa mission imprenable. Et donc en fait pour cela, il descend très très bas en trophée, il rentre son hôtel de ville et en fait tous les gens qui essaient de descendre ou qui essaient de choper quelques ressources vont perdre la défense et vont donc le faire monter un maximum. Donc en gros il va descendre à 300 et 400 trophées et il va remonter juste en éteignant son téléphone vers les 800 trophées, voire même des fois 1400. J'ai pu l'observer, en fait ça fait une semaine que je l'observe, donc il arrive qu'il monte à 1400 trophées en éteignant son téléphone et en déconnectant le clair-chauffeur. Donc en fait en faisant ça il gagne des défenses, ça le fait augmenter en trophée, et une fois qu'il a son bouclier il redescend en trophée pour remonter, pour redescendre, pour remonter, pour redescendre, pour remonter, et pour cela, à la fin de cela il va gagner les 1000 gemmes promises de la mission imprenable. Donc on va aller checker son village. J'aurais pas de défense à vous proposer, de toute façon je pense pas qu'elle se compte très intéressante. Voilà, on a une preuve, regardez, les gens posent 4 troupes qui se courent après et hop ils augmentent en trophée. Donc voilà notre ami, il y a un village maxi avec les héros 40 et tout. Donc là il est vraiment en train de finir sa mission imprenable. Il va y arriver je pense vu qu'il est bien parti. Là on est à 1800 défenses de gagner. C'est quand même, c'est joli quand même. Bon c'est pas forcément exceptionnel étant donné que c'est pas des grosses défenses. Mais ça reste quelque chose de très propre, hein, on peut se le dire. Parce qu'en fait ça prend vraiment de temps. Regardez, il passe plus de temps à faire des défenses qu'à attaquer. Donc voilà, la vidéo elle était très courte, je voulais vraiment vous montrer ça parce que ça m'a vraiment choqué, enfin c'est vraiment énorme, je pense que pas beaucoup de personnes vont se rendre compte, mais 1800 défenses de gagner, c'est quelque chose de quand même assez balèze, hein. Quand on a vu il y a 2-3 mois de cela, Kawabunga qui nous mettait 450 défenses, moi rien que pour pas vous mentir, j'étais sur le cul, hein, j'étais sidéré, hein. Alors là un mec qui a 1800 défenses, c'est encore plus balèze. Du coup voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo, voilà, vite fait bien fait, où je vous montre quand même le village, les statistiques, je vous explique le vraiment du pourquoi, vous aura plu. Bah si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à lâcher un petit pouce bleu. Sur ce les amis, c'était Kiki pour une très courte vidéo, je vous dis à la prochaine, peace.